Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Certaines d'entre vous, celles qui ont participé à mon concours et qui n'ont pas eu de lot, ont reçu une petite carte avec ceci à l'intérieur. Et j'ai cru repérer que les gens se demandaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ce truc, ça provient de ceci. Hop. Et ça, ça sert à faire tout de suite. Ça, une petite branche de cerisier. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on fait la petite fleur. Puis ensuite, vous la montez sur la branche ou pas. Hein, c'est à vous de voir. Allez. Alors, dans les fleurs, vous allez voir que même si elles se ressemblent beaucoup, il y a deux formes différentes. Pour être sûr, voilà, vous les mettez l'une sur l'autre. Et puis vous allez voir, celles-ci sont identiques. Et celle-ci est un petit peu différente. Donc vous en prenez deux différentes, mais si vous en prenez deux identiques, ça ne sera pas flagrant, ne vous inquiétez pas. Et puis, il vous faut ce qui ressemble à un petit peigne. Voilà. Donc ça, c'est pour monter les fleurs. Je vous en montre qu'une, parce que elles sont toutes à faire sur le même principe. Ensuite, bah, vous les montez, vous les rajoutez sur votre branche. Voilà, avec les feuilles ou sans les feuilles, comme vous voulez, ou vous utilisez les fleurs toutes seules, c'est vous qui voyez. Alors, je pousse ça. Pour faire votre cœur de fleurs, donc ça, ça sert à faire le cœur des fleurs. Moi, je vous l'ai laissé tout simple, le petit peigne, je vous l'ai laissé tout simple, mais après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous pouvez éventuellement, au bout de chaque étamine, mettre des petites paillettes avec un petit point de colle pailleté. Hein, des deux côtés, parce que les deux côtés se verront. À ce moment-là, bah, faudra attendre que ça sèche, bien évidemment. Mais vous le faites avant de le rouler. Vous pouvez aussi mettre du marqueur du marqueur avec métallique, doré, argenté. Et à un moment, on avait eu les marqueurs métalliques qui servaient aussi pour le vert ou je sais pas quoi chez Action. Ça doit pouvoir marcher. Voilà. Donc vous avez, il y a deux côtés, il y a deux faces, une face plus foncée, une face plus claire, mais de toute façon, on va le travailler un petit peu. Donc vous allez tout simplement, alors moi je vous le montre sans aucun matériel, puisque je l'ai envoyé un peu à tout le monde, et que parmi vous, il y a des débutantes, des gens qui n'ont pas, il suffit de l'enrouler sur lui-même, et de garder la petite patte, la dernière petite patte là, vers l'extérieur. Donc vous l'enroulez sur lui-même. Et cette petite pâte-là, elle vous sert à venir coller sur la base. Donc on met un petit point de colle, colle chaude ou colle normale, ça n'a pas d'importance. Là, mon pistolet à colle, il est prêt, donc voilà. Et ça vous fait un petit rouleau comme ça. Maintenant, vous allez retravailler vos petites étamines. Donc, vous les prenez, hop, et vous les écarquillez. Dans tous les sens. Donc si vous avez mis quelque chose au bout, forcément, ça va vous faire encore un effet différent. Hein. Voilà pour les petites étamines. On se les met de côté. Maintenant, on va prendre nos deux sortes de pétales, puisque ce sont des fleurs de cerisier, il n'y a que 4 pétales. Maintenant, si vous voulez les monter avec plus de pétales, puisque j'ai dû vous mettre de quoi faire 3 fleurs à chaque fois, à ce moment-là, bah, vous faites que 2 fleurs, et puis vous les faites avec une pétale supplémentaire, hein, c'est tout à fait possible. Enfin, une paire de pétales supplémentaires. Hop. Donc là c'est pareil, vous avez une face avec deux couleurs, vous faites comme vous voulez, soit le plus foncé à l'intérieur et le plus clair à l'extérieur, c'est comme vous voulez. Moi je préfère mettre le plus clair à l'intérieur. Et là je prends donc un... Là c'est un petit pic comme ça, apéritif, mais vous prenez ce que vous avez. Mais ça marchera bien avec ça. Et vous venez enrouler. Alors là moi du coup j'enroule... jusqu'au centre, jusqu'au petit retour. Hop. Voilà. Donc là, pour l'instant, elles sont toutes les deux enroulées tout simplement. On fait la même chose pour toutes. Du
coup, je vais le faire avec trois sortes de pétales, comme ça on va voir quelle fleur ça fait. On va d'abord la faire avec deux pétales et puis on verra après avec la troisième pétale. Voilà. Je suis pas en chance, il y a un peu. Hop. La troisième. Même si normalement je vous dis il n'y en a que deux, mais comme je vous ai mis de quoi faire trois fleurs, vous pouvez en faire que deux si vous le voulez et en mettre deux sur votre branche. Voilà. Donc on va monter nos deux fleurs en nous servant du petit centre qui se trouve là. Donc on met un petit point de colle. Colle chaude ou colle normale, ça n'a pas d'importance. L'avantage de la colle chaude, bah, c'est que ça va super vite. Donc, non, si vous le faites à la colle chaude, par contre, n'en mettez pas beaucoup, parce que sinon, vous allez vous cramer les doigts. À l'intérieur, on va venir coller notre petit cœur de fleur. Donc là, on met la colle chaude à l'arrière du petit cœur de fleur ou on met de la colle normale. Un petit point de colle. Et on vient le mettre au centre. On réinstalle bien nos pistils. Et là, on va retravailler un peu les bords des fleurs. En les ressortant vers l'extérieur. Voilà ce que ça donne pour deux d'entre elles. Donc là, on a une fleur qui serait terminée si on l'a fait avec deux pétales. Là-dessus, on peut venir mettre tout simplement une feuille et la laisser comme ça. Ça ferait ceci. Je vous montre. Hop, on aurait juste une petite fleur de cerisier simple à mettre sur quelque chose. Vu que j'ai fait les trois pétales, ben on va venir ajouter la troisième pétale. Par contre, je vais la travailler un petit peu avant. Vous pouvez aussi la travailler au doigt, hein. Hop. Et là, et si on met une troisième pétale, c'est plus une fleur de cerisier. Et là, on va la mettre là, par exemple. Et ça nous donne une fleur un peu plus cossue, on va dire. Voilà. Là, on va mettre un petit feuillage en dessous. Et là, il ne nous reste plus qu'à venir la fixer. Je vais me mettre sur ça. Il ne nous reste plus qu'à venir la fixer hop, sur notre branche de cerisier. Voilà, comme on veut. Et après, du coup, lorsqu'on en a tout fixé, on obtient ceci. Voilà, j'espère que je vous aurai éclairé un peu parce que j'ai vu que certaines étaient perplexes devant leurs pétales. Alors je vous dis à bientôt et puis je vous fais plein de bisous. Au revoir.